J'espère que vous allez bien. Hein? Bon, moi, je voulais juste vous donner une petite nouvelle parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu. Et puis, je voulais vous dire que ben, voilà, petit Toon, elle gère bien ses petits. Voilà, vous savez qu'elle a eu des enfants il n'y a pas longtemps. Je trouve qu'elle gère plutôt bien. Voilà, c'est une bonne maman, très attentive, très attentionnée. Moi, du coup, je les traite comme mes petits enfants. Du coup, je décide de prendre un bain avec eux. Il faut bien qu'ils découvrent un peu la nature humaine. Hein. Voilà, surtout avec un corps comme le mien. Ils ont de quoi couler, quoi. Voilà. Bon, alors ça, c'est Tito. C'est petit Toon. J'ai fait un bisou à Tito. Voilà, vous savez, le gros, il est toujours en train de baver. Il bave bizarre. C'est vraiment un gros dégueulasse, quoi. Mais il est gentil, ça va. C'est un gros patapouf, quoi. Hein. Ensuite, on a petit Nemo. Mais normalement, il remue la queue comme s'il est content. Là, il n'est pas content, je sais pas. C'est pas assez bouffé. Ah, ça y est, il est content. Voilà, je vais expliquer que je n'ai pas bouffé tout le temps. Oui, parce que j'ai appris à parler poisson. Parce que c'était difficile à se comprendre. Et j'ai toujours la température qui est là. Et là. Voilà. Donc lui, tu es en train de dire 37, 38, 37, 38, des fois 36, 39. Je comprends pas ces messages. Je sais pas ce que c'est codé. Il doit faire partie du FBI. Mais je sais pas. Peut-être. Enfin, en tout cas, je crois. Je ne peux pas le dire à Titoun, mais je crois que j'ai trouvé le papa. Bah oui, elle a pas pu les faire toute seule, ces bébés, quand même. J'ai bien que Marie, elle est vierge. Hein. Hein, que c'est le personnage saint esprit qui l'a mis en scène de mes Titoun. Du coup, je crois que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui parce que vu sa gueule, il fait la gueule des autres. Je pense que c'est un mélange de tout ça. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, moi, je m'en occupe comme si c'était les miens. Et puis, voilà, je suis assez gentille avec eux. Hein, et puis, dès qu'ils font une connerie, branché bien sûr hein, parce que là il est pas branché, j'ai pas envie de crever moi, mais par contre dès qu'il faut une connerie voilà, c'est assez sympa de les voir, ils réagissent bien en général, mais voilà, c'est plutôt, ça dure quelques heures, ils ont un peu mal hein, et ça fume un peu, ça sent un peu le poisson bouilli, le poisson grillé quoi, je fais la plancha dans la baignoire. Mais voilà, je vous embrasse bien les loulous. J'espère que vous prenez soin de vous. À bientôt.